bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. Et voilà, vous êtes au bon endroit des Congo France Télévision, votre chaîne. Et voilà, c'est toujours pour le compte de votre émission Article 15. Mon coup, il y a bien messieurs, j'allais encourager tous les gens qui pratiquent les travaux manuels. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Mongafula. C'est avec cette dame que nous avons fait des recherches par rapport à tout ce qu'elle fait. Elle va vous dire tout au long de cette émission qui elle est vraiment. Avant de commencer, nous allons d'abord lui demander de se présenter pour tous ces gens qui le suivent en ce net moment, à qui j'ai dit déjà bonjour à mon invité. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors, présentez-vous pour toute autre personne qui vous suit. Vous êtes qui et qu'est-ce que vous faites actuellement? Ok, moi c'est DS et ok Ikamba. Okay. Je suis fashion designer. Voilà, je suis la CEO de la marque de vêtements Deya Fashion. Ok. Voilà. La marque de vêtements Deya Fashion. Alors, Deya Fashion, on vous a surpris. C'est tout au long de cette émission que nous avons effectué notre descente ici à Mongafula. Mais on est surpris de voir tout ça en images. Vous avez des sacs juste en face de moi. On a vu derrière moi, tout est mentionné, Deya Fashion. Alors, pourquoi Deya Fashion? Déjà, Deya Fashion, c'est mon prénom, comme je me suis présentée. C'est DS, ouais. C'est DS et Deya, c'est en latin. Alors, donc c'est mon prénom. Voilà pourquoi je voulais mettre ça, Deya Fashion. Deya en latin, ça signifie? Comment? C'est une déesse. C'est une déesse. Ouais. Tu es déesse. Ouais. De la marque, s'il faut le dire. De ma marque, bien sûr. Je suis déesse de ma marque et voilà, de la mode, si je peux le dire. Ok, c'est bien mentionné. Alors, vous pouvez quand même, il y a des gens qui vous suivent en ces nets moments. Pourquoi est-ce que vous avez à choisir ces métiers des coutures, des modes? Pourquoi? Déjà, c'est une passion que j'ai pour la mode. C'est une passion et j'aime tout ce qui est de la mode. Okay. Alors, je me suis dit, c'est déjà depuis tout petite, je me suis dit que voilà, je vais mettre ça en valeur et je vais continuer à faire la mode, je vais faire la couture. Donc, c'est juste ça. C'est quelque chose que vous avez aimé de le bas âge, il faut le dire. Hein. Donc, à quel âge que vous avez commencé à pratiquer? Puisque ce n'est pas du coup comme ça que tu as cet amour-là de la mode, du design, des goûts de l'art. Alors, c'est à quel âge que vous avez vraiment commencé à le mettre en pratique? C'est pratiquement à 15 ans. Donc, quand j'ai commencé avec la couture en 3e des humanités. Waouh, wow, ouais. Donc, c'est à 15 ans que vous avez directement commencé à pratiquer? Oui, oui, c'est à 15 ans que j'ai commencé à pratiquer avec des petits accessoires, les boucles d'oreilles, le bracelet, c'était à 15 ans. Et c'était où? Là, je le faisais à la maison. Donc, quand j'ai commencé avec la couture, je le faisais à la maison, je le pratiquais à la maison, c'est ça. Alors, en fait. C'était pas d'abord payant? Bon, là, j'essayais, en fait, si je peux le dire, j'essayais, okay. Voir comment ça, ce que ça va donner. Et il y avait des gens qui me soutenaient, et voilà, ils achetaient et tout, et voilà. Alors, c'est l'une des choses que vous aimez tant. Est-ce que vous avez eu à faire des études sur ça ou soit ça coule, c'est dans les sangs? Bon, j'ai eu à faire des études et j'ai continué avec ça. Voilà, déjà, j'ai eu à faire. Là, je suis à l'ISAM, à l'Institut supérieur des arts et métiers. Je suis graduée en arts et métiers aussi. Wow, voilà. Et je continue avec la licence en management et marketing de mode. Okay. Voilà. Là, tu es ton propre manager. Non, je n'ai pas voulu savoir si c'est qui ton manager. Mais okay. Tout au long de cette émission, on va toujours savoir si c'est vraiment qui ton manager. Puisque avec le recherche, avec tout ce qu'on a fait, on voit vraiment que vous êtes vraiment bien structuré. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment dans l'ordre. Alors, Deya Fashion, est-ce que vous aimez seulement faire des collections ou soit dans... J'ai vu, il y a des t-shirts là bien mentionnés, genre des designs que vous avez fait dans les t-shirts des filles que je vis tout à l'heure. Est-ce que ce sont des designs que vous avez créés vous-même, votre logo, ou soit vous êtes recouru à un designer qui a créé pour vous ces logos? Ben, j'ai eu à recourir chez un designer. Je l'ai expliqué que voilà, je vais ça. Je l'ai expliqué que moi, c'est pour la mode. Parce que déjà, les logos, c'est quelque chose qui représente ce que tu fais. Si vous essayez de voir dans mon logo, il y a... On a eu à mettre des trucs qui représentent vraiment que c'est un vêtement, ça présente un vêtement. Donc j'ai eu à courir chez un designer, je lui ai expliqué comment il devrait faire son travail, parce que ce n'est pas mon travail quand même. Non, mais c'était trop clair, puisque tu es aussi parmi les artistes. Voilà. Sûrement, les designers là n'ont pas vraiment trouvé beaucoup de boulot à faire. Ouais, il n'a pas trouvé beaucoup de boulot parce que je l'ai carrément expliqué. Vous allez faire ça. Et il a carrément reproduit comme moi je voulais. Waouh, c'est super. Ouais. Derrière moi, déjà, je vois là, c'est Deya Fashion en cintre. Mais comme c'est lui qui a créé, je ne voulais pas vraiment poser trop de questions par rapport à la couleur, par rapport à tout ça. Je m'arrête là, mais les logos, en tout cas, c'est super Deya Fashion. Merci. La reine. Alors, pour tout ce que vous êtes en train de faire, comme la couture, la collection, vous avez à avoir des difficultés par rapport à tout ça?
Bah oui, hein, y a toujours des difficultés. Mmh. C'est pas facile de créer une marque et faire accepter cette marque-là à plusieurs personnes. Mmh. C'est pas facile. Il y a toujours des difficultés. Mmh. Mais malgré ces difficultés, j'ai pas baissé les bras. Je continue à faire de mon mieux pour faire accepter au monde ma marque de vêtements. Donc, c'est un peu ça. Bon, c'est normal, le début, ça a toujours été difficile. Hein. Mais à part ça, il y a quand même des privilèges par rapport à tout ce que vous faites lorsque vous partez dans des manifestations. Qu'est-ce que vous rencontrez sur le terrain comme difficulté aussi? Comme difficulté, déjà, il y a des clientes. On peut être là, j'ai exposition, elle peut venir. Elle est venue faire les achats et tout. Elle essaie d'acheter quelque chose. Il y a peut-être un petit défaut, il faut arranger. Il y a des clientes qui s'enflamment directement. Voilà, il y a des clientes qui s'enflamment directement et il faut avoir un grand cœur pour supporter. Ouais, faut avoir un grand cœur. Il y a des clientes très compliquées. Et donc, ce sont vraiment parmi les difficultés que j'ai rencontrées, surtout dans le marché. Il y a des clientes compliquées, voilà, il faut faire ça, voilà, il faut faire ça. Mais j'ai... Avec le cœur que j'ai, je me dis que c'est mon travail. Ouais. Je ne peux pas mal répondre à mes clientes. Ouais, j'essaie de gérer pour que, voilà, expliquer que non, madame, on va arranger, on va faire ceci, on va faire cela. Okay. C'est vraiment trop clair. Alors, qu'est-ce que vous aimez tant dans tout ce que vous faites? Ce que vous avez vraiment à cas, c'est le logo, tu es vraiment dans le bain. Tu te dis, waouh, j'aime ce que je fais. Tu te plonges. C'est quoi? Déjà, quand je prépare mes collections, quand je prépare ça, je me dis, voilà, je dois faire quelque chose de waouh. Parce que quand je vais lancer dans le marché, que ça traîne pas, en fait. Donc, une fois que je lance ma collection, même une semaine, je sens que j'ai tout vendu. Par jour, tu peux vendre combien? Déjà, moi, je travaille pas. Ça dépend des collections. Donc, si je lance une collection, peut-être pendant une semaine, si je fais une collection de 50 vêtements, 40, ça peut finir dans une ou deux semaines. Waouh! Ouais. Vous avez vraiment la clientèle? Oui, j'ai mes clients, j'ai vraiment la clientèle. Il y a vraiment des gens qui me font confiance. Ah, ouais. C'est vraiment intéressant. Ouais. Et pourquoi vous avez mentionné du wax par rapport à vos recherches que nous, on a eu à faire? Hein, c'est signaler, c'est noter du wax. Pourquoi vous aimez trop ou soit c'est votre sponsor en cachette du wax? Non, le wax, c'est pas mon sponsor. C'est juste que je voulais valoriser le pagne, en fait. Ouais. Ouais, valoriser le pagne parce que nous sommes en Afrique. Mmh. Parfois, il y a des gens qui négligent le pagne. C'est une façon pour moi de valoriser le pagne, de montrer au monde qu'on ne peut pas seulement... C'est pas comme à l'époque, parce qu'il y a des gens qui disent que ah, le pagne, moi je peux pas mettre le pagne. Mais on peut faire quelque chose de très mignon, de très waouh, avec du wax, avec le pagne. Donc c'est une façon pour moi de... Oui, c'est une façon pour moi de valoriser le pagne, quoi. Voilà. Vous êtes trop bien habillée là. Je dois signaler si tu es vraiment une artiste. Vous-même aussi? Bien sûr, c'est d'ailleurs, ça sera disponible bientôt dans ma nouvelle collection que je vais lancer d'ici le 30 juin. Ça te va, c'est trop super. Merci beaucoup. Alors, tu as quand même un mot de la fin par rapport à tous ces gens-là qui vous ont suivi tout au long de notre émission. Ok, je dis merci à tout le monde. Surtout, je salue mon partenaire où il est, M. Jonathan Isolo. Et je salue tous mes partenaires d'AF Creative. Je salue tout le monde. Et voilà, je vous dis merci à mes clientes qui me font toujours confiance. Je vous porte dans mon cœur. Merci à Congo France Télévision. Ah, merci également à Congo France Télévision. On a parcouru, hein. Nous, ce n'est pas, on reste là sur place dans la chaîne. Non, nous sommes vraiment sur terrain en train de chercher des informations. C'est vraiment le but de notre émission Article 15. Vraiment. Alors, message numéro 4, cette fois-ci, tu vas dire en lingala. Na bateau nio, ce bazar, peut-être, na donne, mais ça, là, ma boko, mais qui zappe un peu. Encouragement, on est pour na bateau, na nio. Aza, n'est na donne, mais azo, laissez passer en haut. Ok. Pour la bateau nio, ce bazar, na donne, et que bazo, les qui sont encore à boire, faut que tu en aies en pratique. Faut que tu en aies en pratique pour. Puisque Tobo, ta marana, Dieu a mis quelque chose. Na carte d'abisso, alors bon là les sabbats a binoté, bon mettre ça en pratique avec Dieu, le Seigneur va toujours aider et puis vous allez toujours aller de l'avant. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation d'Ea Fashion. Merci à vous aussi pour avoir invité. Je vous en prie. Merci à vous tous qui étaient là branchés en train de suivre votre émission Article 15. Beaucoup d'émission nous à Batoumi Salam. Beaucoup nous sommes là pour vous encourager. Alors c'était là la fin de votre émission Article 15. Quant à moi, Glezane Diboula, je vous dis déjà au revoir et surtout restez branchés sur votre chaîne, qui est CFTV Congo France Télévision. Merci. À très bientôt.